Alors, de quoi on parle aujourd'hui? La vidéo est assez claire, je comprends mieux maintenant les différents types de boîtiers et j'ai une idée claire sur quel choix d'appareil photo je devrais prendre à peu près. Par contre, étant toujours indécise, un peu flemmarde, est-ce qu'il y a une méthode plus radicale avec un bon suivi pour choisir l'appareil photo? Ok Sananta, cette vidéo, c'est pour toi. Hello guys, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Mon nom c'est Hakim et bienvenue sur Fouzé Photo Vidéo, la chaîne qui vous forme sur la photo et la vidéo à travers les astuces, les conseils et des tutoriels. À la fin de la vidéo, je donnerai le résultat des gagnants du jeu concours de la semaine passée. Alors, dans ma dernière vidéo, je vous ai montré comment choisir votre appareil photo sans vous tromper. Je vous ai familiarisé avec quelques petites notions techniques. Maintenant, nous allons voir ensemble et de façon plus concrète la liste des appareils photo qui vous correspond. Alors, nous allons utiliser le site web d'Olivier Smith, qui est un YouTuber français. Il va vous guider pas à pas à travers un système qui va se baser sur vos préférences, c'est-à-dire votre budget, le poids de l'appareil photo, la marque que vous voulez, etc. Ensuite, le logiciel va prendre toutes ces informations, va combiner tout ensemble et boum, l'appareil de vos rêves apparaît. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir vu ma vidéo précédente car elle vous éclaire sur les notions techniques élémentaires qui vont vous faire aider à définir vos besoins. Une fois que vos besoins sont clairs, vous n'avez pas de mal à choisir votre appareil photo. Donc il est très important d'aller voir la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner la liste des appareils disponibles en fonction de vos besoins. Allez sur le site, le lien est dans la description. Alors, pour le test, je vais m'inventer un profil de personne. Ça va être simple pour notre test. Je rappelle aussi que les prix sont en euros, mais vous pouvez convertir en la monnaie de votre région une fois que vous aurez votre résultat. Alors, pour le profil, je choisis Babacar qui n'est plus à présenter. 22 ans, budget 1500 euros. Type de boîtier, nous allons choisir un réflexe. Le poids, un poids moyen. Un écran orientable, oui, parce que nous voulons faire des selfies. La taille du capteur, un grand capteur. Le nombre d'images par seconde, nous allons prendre 30 ou 25 fps. Je répète, si tout ce qu'on vient de dire est chinois pour vous, vous allez regarder la vidéo précédente. Elle est très facile à comprendre et revenez. Donc sur le site, vous aurez les différents critères qui vous seront proposés avec une bonne explication sur chacun d'eux. Nous savons déjà à peu près ce que l'on veut et ce qu'on a. Donc je vais utiliser le slider pour choisir le prix. Donc je vais choisir aux alentours de 1500 euros. Ensuite, par rapport au type d'appareil, on s'est convenu de prendre un réflexe. Donc je choisis le réflexe. Ensuite, s'il y a certains critères qui importent peu pour vous, mettez juste peu importe ou choisissez toutes les catégories. Pour le poids, on va prendre un poids intermédiaire, donc autour de 700 grammes. Ensuite, l'écran orientable est très important pour Babacar. Donc nous avons choisi un écran orientable avec selfie. Ensuite, pour les captures, nous recherchons un grand capteur, donc ce sera un full frame, un APS-C et un micro 4 tiers. La stabilisation optique, j'en ai pas besoin, et les autres paramètres qui ne sont pas très importants pour moi, donc je laisse ça comme tel. Je n'ai pas vraiment besoin des flashs, donc je mets oui et non. Le stockage aussi n'est pas quelque chose d'important dans notre cas, donc je vais cocher toutes les cases. Et maintenant, prêt pour le verdict. Donc voici la liste des appareils que vous pouvez choisir en fonction des critères que nous venons de sélectionner. Donc voilà. Donc voilà la liste des personnes qui ont participé au jeu. Ok, donc j'ai mis exactement vos pseudos sur Facebook ou Instagram et YouTube pour qu'on vous retrace facilement pour la suite. Donc ce que nous allons faire, j'ai utilisé ici un logiciel sur internet qui va générer de façon aléatoire les deux premiers gagnants. Donc la première personne sera la personne qui va gagner la 70-300 et la deuxième personne ma formation gratuite. Donc est-ce que vous êtes prêts? Allez, on y va, let's go. Et voilà, donc notre gagnant est Eli Andy qui va gagner la 70-300 et Fawaz Adjao qui va gagner ma formation sur Premiere Pro, Photoshop ou Lightroom. Donc n'hésitez pas à me contacter par email pour la suite. Donc les autres ne déméritez pas, c'est pas grave, on aura d'autres tirages et voilà. Allez, bisous. Alors si cette vidéo t'a permis enfin de choisir ton appareil photo, alors je t'invite à laisser un pouce bleu, ça m'encourage à faire des vidéos de meilleure qualité.
Si ma chaîne t'intéresse, alors je t'invite aussi à t'abonner et surtout à cliquer sur la cloche pour ne pas rater la suite de mes vidéos. À la semaine prochaine. Sur ce, moi je te laisse. Tchuss! Après la vidéo, je t'invite à laisser un pouce bleu, à liker. Alors, de quoi on parle aujourd'hui?